10 choses choquantes récemment découvertes au Canada. Numéro 10. Ruines antiques plus anciennes que les pyramides. En 2020, des chercheurs ont découvert un ancien village en explorant une île située à environ 482 km au nord de Victoria en Colombie-Britannique. Les experts sont tombés sur un trésor d'artefacts anciens, notamment des hameçons, des lances et des outils pour faire du feu, mais la révélation la plus importante a sans doute été la mise au jour d'un ancien foyer de cuisson. C'est grâce à ce foyer qu'ils ont découvert que le peuplement de la région remontait à 14 000 ans, ce qui est plus de 3 fois plus ancien que les célèbres pyramides égyptiennes. Cette découverte remet en question notre compréhension de l'histoire ancienne et nous oblige à reconsidérer la chronologie de la civilisation humaine en Amérique du Nord. Alors que l'on pensait autrefois que les hommes étaient entrés en Amérique du Nord il y a environ 13 000 ans par un pont terrestre en provenance de l'Alaska, cette découverte suggère que les premiers habitants étaient d'habiles chasseurs de mammifères marins. Cette découverte a aidé le peuple Essuk à faire valoir ses droits sur les terres indigènes qui lui revenaient de droit. Numéro 9. Robot autostoppeur canadien. Je vous présente le robot autostoppeur canadien nommé Hitchbot. Ce petit robot s'est lancé dans une aventure en solitaire de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique en 2014. Il est équipé d'un GPS, d'une connectivité sans fil, d'une caméra et même d'un siège d'appoint intégré à l'arrière. Bien que le projet ait impliqué des chercheurs, il ne s'agissait pas d'un effort de recherche formelle, mais plutôt d'une expérience créative au cours de laquelle Hitchbot a été relâché dans la nature. Ce projet non conventionnel a bouleversé la conversation sur les robots. Malgré sa mobilité limitée, Hitchbot s'est appuyé sur ses compétences en communication pour naviguer dans le monde humain grâce à la reconnaissance vocale, et l'accès à Wikipédia pour les sujets de conversation, et la possibilité d'engager plusieurs conversations textuelles simultanément. Hitchbot a été conçu pour combler le fossé entre la technologie et l'interaction humaine. Alors qu'il a traversé le Canada et l'Allemagne et les Pays-Bas sans trop de problèmes, ce robot n'a pas réussi à traverser les États-Unis. Il a tenté de traverser les États-Unis de Boston à San Francisco le 17 juillet 2015, mais il a été retrouvé détruit 2 semaines plus tard à Philadelphie. Numéro 8. Une méduse vieille de 500 millions d'années. Les méduses font partie des créatures les plus étranges de la planète et comptent également parmi les animaux complexes les plus anciens qui aient jamais vécu. Ces créatures font partie de celles qui ont survécu le plus longtemps sur notre planète, alors que cette planète est en constante évolution et qu'elle a connu 5 grandes extinctions. C'est un exploit incroyablement difficile à réaliser, et c'est pourquoi la plupart des découvertes de spécimens de méduses sont considérées comme précieuses. Des fossiles de Burgess Medusa phasmiformi ont été découverts dans les montagnes rocheuses de la Colombie-Britannique. Cette méduse massive a vécu il y a plus de 508 millions d'années. Cette découverte remet en question les idées reçues sur l'origine des méduses et suggère qu'elles existent depuis au moins 500 millions d'années. Bien que les chercheurs ne s'entendent pas sur ce point, cette découverte renforce les preuves que les méduses et leurs ancêtres faisaient partie de la vie marine de la Terre au cours de la période cambrienne. Les fossiles de Burgess Medusa mesurent environ 20 cm de long, ce qui en fait l'une des plus grandes créatures de son époque. Les recherches modernes suggèrent que ces méduses massives qui vivaient il y a des millions d'années étaient les ancêtres de la plupart des méduses modernes que nous voyons aujourd'hui. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 7. Un bébé mammouth. Cet incroyable bébé mammouth a vécu il y a plus de 35 000 ans, pendant l'ère glaciaire. Le bébé mammouth, que l'on pense être une femelle, a été baptisé Nunshoga. Ce bébé mammouth préservé a été découvert par un chercheur d'or dans le territoire canadien du Yukon en juin 2022. Nunshogea est désormais l'espèce de mammouth la plus complète découverte en Amérique du Nord et seulement la deuxième de ce type dans le monde. Alors que les mammouths ont parcouru la Terre jusqu'à il y a 4000 ans, le voyage de Nunshogea s'est achevé il y a 35 000 à 40 000 ans. À cette époque, les mammouths et les chevaux sauvages et les lions des cavernes et les bisons géants peuplaient le Canada. Par rapport à son âge, le niveau de conservation de ce minuscule mammouth est étonnant, mais le mérite en revient à la glace. On pense qu'il n'avait que 30 à 35 jours lorsqu'il s'est enlisé dans la boue alors qu'il broutait près de sa mère. Un destin bien malheureux pour cette pauvre créature. Malgré tout, la mort de Nunshogea a contribué de manière significative à notre connaissance des grands mammouths qui parcouraient autrefois notre planète. Numéro 6. Un camion fonctionnel fait de blocs de glace. En 2014, l'entreprise canadienne de produits automobiles a créé un véhicule unique. Ce camion fonctionnel est le fruit de l'imagination de Canadian Tire.
Initialement, ce camion a été créé pour présenter les capacités impressionnantes de la batterie Motomaster Eliminator Ultra. Cette batterie est conçue pour fonctionner parfaitement à des températures inférieures à zéro. Il a suffi de 6350 kg de glace et de beaucoup de patience pour que ce concept devienne réalité. L'équipe a soumis la batterie Motomaster Eliminator Ultra à des températures glaciales allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius, avant de l'utiliser pour démarrer le camion de glace. Lors du test de conduite qui a suivi, le camion a atteint une vitesse de 19 km/h et a parcouru une distance d'environ 1,5 km. Imaginez maintenant que vous empiliez et utilisiez plus de 6350 kg de glace et que vous les transformiez méticuleusement en quelque chose de fonctionnel. Je dois dire que le produit fini est aussi cool que son concept. Vous savez que les créateurs de ce camion ont déployé beaucoup d'efforts pour réaliser ce projet. Numéro 5. L'eau verte de Goldstream. Cette eau est réellement verte. Cette photo a été prise en décembre 2010, dans le parc Goldstream à Victoria. De manière tout à fait inattendue, les eaux de la rivière ont pris une teinte vert fluo, ce qui n'était manifestement pas normal. Au bout d'une heure environ, la couleur verte fluorescente s'est dissipée aussi soudainement qu'elle était apparue. En analysant l'eau vert fluo, le ministère de l'Environnement local a identifié le coupable comme étant une substance chimique connue sous le nom de fluorescéine. Heureusement, la substance elle-même et ses sous-produits de dégradation ne sont pas toxiques. En tenant compte de la concentration et du débit de la rivière, les experts ont conclu que la vie aquatique et son habitat étaient restés intacts, tandis que les responsables de cette transformation éclatante n'ont pas été identifiés. Les autorités supposent que le déversement de fluorescéine dans la rivière Goldstream était probablement une farce malicieuse pendant les fêtes de fin d'année. Une farce amusante mais nuisible et qui ne devrait pas être répétée. Numéro 4. Ossements massifs de mammouth laineux. En 2021, des chercheurs d'or ont découvert un trésor sur un site historique du Yukon. Un trésor d'ossements de mammouth magnifiquement conservés. Certains de ces os sont si grands qu'ils atteignent presque la taille de l'un des mineurs lorsqu'ils sont tenus verticalement. On pense que les mammouths laineux ont parcouru les étendues septentrionales de l'actuel Canada il y a 30 000 à 40 000 ans, et qu'ils sont peut-être entrés en Amérique du Nord par le pont terrestre de Bering. Ces majestueux herbivores prospéraient dans des environnements froids et secs et dépourvus d'arbres. Cependant, il y a environ 10 000 ans, ils ont disparu de la Terre, probablement en raison d'une combinaison de défis environnementaux et de l'intensification de la chasse par les premiers hommes. On pense que 3 mammouths au total ont été découverts dans la région, mais la cause exacte de la mort de ces 3 mammouths laineux reste un mystère à ce jour. Numéro 3. Un lac tacheté. Ce lac est situé dans la vallée de Muskegon en Colombie-Britannique. Il est devenu l'une des destinations touristiques les plus captivantes du Canada, grâce à son aspect particulier. Cette masse d'eau compte parmi les lacs les plus riches en minéraux de la planète, car elle contient principalement des sulfates de magnésium et de calcium et de sodium. Tout au long de l'histoire, le lac Ozoyu a été réputé pour être un lieu de guérison magique. Les populations indigènes locales croyaient que l'eau pouvait guérir toutes sortes de choses comme les entorses et les infections et les problèmes de peau. Ils faisaient même des trêves pendant les guerres pour que les guerriers blessés puissent venir se soigner ici. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats ont utilisé les minéraux de ce lac pour fabriquer des munitions dans les usines voisines. Pendant longtemps, une famille a voulu en faire une station thermale, mais les autochtones l'ont convaincu du contraire. Ils ont fini par rendre le lac à la communauté indigène, qui continue aujourd'hui à préserver cet endroit. Il est interdit de se baigner dans le lac tacheté afin de protéger ses bassins colorés. Ce fossile terrifiant aurait été découvert dans le Yukon, et il semble tout droit sorti d'un cauchemar. Ce crâne terrifiant suffit à lui seul à nous faire imaginer à quel point cette créature était monstrueuse lorsqu'elle était encore en vie. Quelle pouvait être cette créature ? A-t-elle cohabité avec les dinosaures, ou a-t-elle vécu dans l'écosystème pendant l'ère glaciaire? Certains pensent que cette créature aurait pu être un redoutable prédateur il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Malheureusement, contrairement aux mammouths ou aux sabres-dents qui parcouraient autrefois notre planète, nous ne disposons d'aucun document ou folklore ou récit ancien qui fasse état d'une telle créature. Pouvez-vous nous dire ce que pourrait être exactement cette créature? Numéro 2. Zour. Une découverte remarquable a été faite dans les étendues sauvages et gelées du Yukon au Canada. Les restes exceptionnellement bien conservés d'un petit loup préhistorique nommé Zour, qui parcourait notre planète il y a plus de 50 000 ans. Le loup a été trouvé au cours de l'été 2021 près de la rivière Klondike.
Des chercheurs dirigés par le paléontologue Grant Zazula l'ont trouvé dans le pergélisol en cours de dégel, où il était resté intact pendant des millénaires. La fourrure et les dents et la peau et même certains des derniers repas de Zour ont survécu à l'épreuve du temps. Cet état de conservation est principalement dû aux températures de congélation du pergélisol, qui protège les restes du petit de la décomposition. La datation au radiocarbone a permis d'établir l'âge de Zour à environ 50 000 ans, ce qui en fait l'un des spécimens de loup les plus anciens et les plus complets jamais découverts dans la région. Cette découverte précieuse offre aux chercheurs une occasion unique d'en savoir plus sur les loups de l'ère glaciaire et sur leur rôle dans les écosystèmes anciens. Numéro 1. Créature marine tropicale bizarre. Imaginez que vous alliez à la pêche en pensant faire une belle prise, mais qu'après avoir remonté votre filet, vous trouviez une longue créature translucide qui ressemble à un concombre. Ces créatures rosâtres et tubulaires accueillent les pêcheurs canadiens en 2017. Ces créatures sont connues sous le nom de pyrosomes, et dans les eaux tropicales où on les trouve habituellement, elles atteignent généralement une taille stupéfiante de 9 mètres. Toutefois, dans les eaux plus froides du Canada, elles ne mesurent que 60 cm et leur présence constituait une menace pour l'écosystème local des eaux canadiennes. Des millions d'entre elles étaient prêtes à éradiquer et à perturber la flore et la faune locale sur le territoire cette même année. L'équipe de chercheurs du centre de l'Oregon a mené une étude qui a donné des résultats étonnants. En 5 minutes de pêche au filet, ils ont collecté 60 000 de ces organismes lumineux ressemblant à des concombres. Les experts estiment que ces créatures marines semblent avoir migré vers le nord, probablement parce qu'elles ont été entraînées par les courants d'eau exceptionnellement chauds de ces dernières années. Les pêcheurs locaux ont été parmi les plus touchés, car ils doivent maintenant remonter des milliers de ces créatures visqueuses au lieu de saumons ou de cabillauds. Heureusement, la situation a été maîtrisée. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.